Bonjour, on se joue dans une nouvelle vidéo sur Star Stable. Donc je suis désolée que ma vidéo soit sortie un petit peu tard, j'étais occupée. Donc c'est parti pour la mise à jour. Donc on a l'item de Star Rabbit Amourland, mais on va le passer, on va aller voir ce qui nous intéresse vraiment, les nouveaux équipements western. C'est parti! Alors on va voir d'abord tout ce qu'on a. Donc on a ce petit ensemble marron, donc que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très bien fait. Alors c'est mon ensemble préféré, mais malheureusement il n'a pas de stats, donc je pense en prendre un autre. Ensuite on a l'ensemble noir, comme ceci. Hop, et hop, avec cette petite selle. Ah, j'aime bien ce Lynx bossal par contre, roux. Peut-être vais-je trouver mon intention avec le roux. On a aussi le beige. Donc en fait, ceux qui sont chers sont full stat, donc stat max. Et ceux qui sont pas très chers sont sans stat. Alors, on a aussi ces petits tapis. J'aime beaucoup ce tapis-là. Ensuite, concernant les bandes, bah j'avoue être moins fan. Je pense peut-être m'en prendre une. Genre celle-ci, histoire d'en avoir pour aller avec, mais ce sera tout. Sinon, nous n'avons rien de particulier de nouveau, donc je vais acheter ce qui m'intéresse et je vous retrouve après. Donc voilà, après m'être appauvrie, donc j'ai pu prendre ces petites bandes-là. Voilà, donc j'ai craqué sur celle-ci. Le tapis noir avec le bossal noir. Ensuite, ce tapis marron avec, je pense, ce bossal-ci ou ce bossal-ci. Je ne vois pas vraiment grande différence, je sais pas ce qui m'a pris d'acheter les deux. Au niveau de la selle, j'ai pris la marron qui n'a pas de stats parce que je l'aime vraiment beaucoup. Après, niveau stats, j'ai pris la noire. Et aussi la orange. En fait, la orange, comme j'ai un peu peur de me lasser, je préférais avoir un autre coloris de marron. Donc, on va zoomer un petit peu pour voir les petits détails via le mode photo. Alors, s'il pouvait lever la tête, voilà, on va rester comme ça. Donc, on peut apercevoir au niveau du tapis. On a quand même le petit détail comme que ça avait été vraiment cousu. Sur la selle, bon bah là on repassera, mais c'est vraiment très très joli. On a même la sangle ici qui est très bien faite. Le vrai détail de l'étrier western et de l'étrivière qui en plus se tourne. Concernant le bossal, donc je l'ai équipé avec des petites plumes. Hein, on peut vraiment voir que c'est comme du cuir corde tressé. Donc bah, au niveau des rênes, ça rend moins bien par contre. Hein. Donc je vous propose de faire juste un petit aperçu de voir comment ça rend quand la cavalière est en déplacement. Donc hein, oui, ça rend plutôt bien, on va tester à différentes allures. On voit que la cavalière est très stable dans sa selle, j'aime beaucoup. Au pas, ah oui, par contre le bug du pas n'a pas été corrigé. Hein. Au niveau de l'arrêt d'urgence, comment ça pourrait rendre? Ça, ouais, on peut voir un petit peu de bug, hein. Mais ça c'est pas très grave. Au niveau du spin, bah, on garde encore ce bug d'étrier, donc j'espère qu'il sera par la suite quand même très corrigé. Donc sinon, vous, que pensez-vous de ces items western? Je regrette limite ces bandes-là, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-ci, mais on s'en fiche, c'est mon avis. Donc moi, j'en suis très contente. Après, on a l'habitude, hein, les items, maintenant, ils deviennent chers, donc on va pas s'éterniser sur le prix. Si vous les voulez, vous les achetez. Si le prix ne vous convient pas, vous ne les achetez pas. Hein. Et SSO n'oblige jamais ses membres à acheter. Il propose, après, chacun fait ce qu'il veut. J'aime bien le petit détail des rênes qui ballottent un petit peu comme ça, en fonction du mouvement du cheval. Je trouve que ça donne vraiment un aspect libre. Si je voulais chipoter vraiment, j'aurais aimé un petit détail sur le bossal, qui est, vous savez, dans les westerns, ils ont un front, alors, un frontal entre guillemets, mais juste d'un passant d'oreille, donc un passant d'oreille. J'aurais aimé vraiment ce petit détail-là. Mais enfin, on va pas chipoter, hein, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, moi je suis très satisfaite de cette mise à jour. J'ai juste hâte par contre que les équipements, bah, les guêtres et les Nicole sortent. Après, finalement, moi je voulais tout d'un coup, mais au final, au vu du prix, je trouve que c'est un bon coup marketing de SSO de ne pas avoir tout mis. Et d'ailleurs, vous avez une offre promotionnelle pour acheter des Star Coins avec un ensemble de western. Donc voilà, j'espère à tous et à toutes que ça vous aura plu. On se trouve demain pour une vidéo roleplay qui m'a été très très demandée, qui a été très attendue. Donc je tourne ça demain matin et c'est en ligne au plus tard demain midi. Allez, à demain, ciao ciao!